Vous regardez RTL. Il faut éviter le boulevard Haussmann en voiture, hein. C'est enfer. Ah, en voiture, à pied, c'est très bien. À pied, formidable, mais parce qu'on s'arrête, on regarde les vitrines. Il y a tellement de monde devant les vitrines de Noël qu'on ne passe plus en voiture. C'est vrai. On ne passe plus nulle part, Laurent. Grâce à la nouvelle maire de Paris, Madame Annie Dingo, excusez-moi, on ne passe plus nulle part. Quand il n'y a pas les travaux, il y a des tournages. Quand il n'y a pas les travaux et des tournages, c'est interdit aux autos. Oui, mais c'est très mal, la bagnole. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est bagnole, franchement. Non, mais c'est ce que j'étais en train de dire. Je suis hyper choqué par ton discours. Je veux dire, avant t'étais rock'n'roll, mais aujourd'hui dans le rock, on préfère les Harley, les Mustangs, les trucs c'est de un la peu merde, couillus. Pardon de te choquer, c'est de la merde. Ouais. T'es un plouc. Arrêtons de respirer les pots d'échappement. Mais quoi. Même arrêtons de respirer tout court. Comment vous l'avez appelée, la maire de Paris? C'est pas Annie Dingo. Annie Dingo. Non, mais pourquoi tout le monde l'a... Bah, tout le monde, bah oui. Non, mais dessus, je dis ça c'est souvent. Dingue. C'est mes amis, les chauffeurs de taxi, qui la surnomment la bécasse. Mais moi, non, je dis Annie Dingo, pardon. La bécasse, c'est ceux qui sont polis qui disent la bécasse. La mère Noël, moi, je l'appelle. C'est la mère Noël. Elle veut supprimer le marché de Noël. Elle trouve que c'est ringard sur les Champs-Elysées, que c'est pas beau. Elle a raison. Ah, c'est vrai. Bah oui, elle a raison. C'est dégueulasse qu'ils vendent. Ils vendent des produits chinois, des merdes, enfin, c'est mais pas alors, très y a classe. Le roi des forains c'est soi-disant qui la plus belle avenue élevé des contre elle, le roi des forains, on se croirait dans un livre de Victor Hugo. Qui c'est Esmeralda s'il y a le roi des forains? Attendez, c'est vrai qu'il a un côté. Vous vous rendez compte il de a ce un côté Jean Valjean, on est de retour campion. Au Moyen-Âge. Le roi des forains contre Annie Dingo. Ça, on dirait qu'on va écarteler des gens en place de grève. C'est vrai que c'est un joli combat quand même. Bah, la place de grève, hein, ça mérite bien son nom. C'était joli les petits chalet du marché de Noël. Non, mais c'était festif. On aurait dit des chiottes. Non, c'est mais vrai ouais, que c'est joli. Je suis d'accord, moi, c'est nul. C'est non, vrai mais... que c'est joli, mais c'est vraiment de la merde qui vend. Hein, bah c'est ouais. C'est ah ça ouais. Le problème. Alors, donc, elle a raison, Madame Hidalgo, vous voyez. Elle a raison. Ça, moi, je pense que ça va manquer aux gens quand même. Mais, non, mais ils n'ont qu'à les mettre sur les voies sur berge, puisque ça ne sert plus à rien. Il aurait fallu garder les petits chalets parce que c'est mignon et mettre des bons artisans à l'intérieur. C'est peut-être juste mais ça. Oui. Monsieur Delanoë, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Oh là là, depuis que mon âne s'est occupé de Paris, c'est le bazar. Tous les Parisiennes et les Parisiens sont très en colère. Alors moi, je ne viens plus avec ma voiture tut-tut parce qu'il y a beaucoup trop de klaxons. C'est très fatigant. Et alors franchement, moi j'aimais bien les forains. Ils sont tout musclés comme ça, tout costauds. Moi, j'achetais toutes leurs merdouilles. Hein. Moi, je trouvais ça très sympathique. Alors, Anne, si tu m'écoutes, tu es dingo. C'est n'importe quoi.